Mais Véro, la différence, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle est passionnée. Elle, elle veut se faire voir partout. Voyez-moi sur Pornhub. Voyez-moi sur ADCAD. Voyez-moi sur... Mais oui. On dirait que j'ai comme reculé, mais je sais que j'aurais à gagner, moi, qui est dans les fétiches. À... Oui, je le sais à 100% pour vrai. J'ai pas juste goût de faux, j'ai goût de faire de l'art. Comme terminant. Oui, exactement, pour vrai. Cap. Encore Cap Boy. Je suis Cap Boy. Exact. Encore, I'm calling Cap. C'est qui Cap Boy? Non, je sais. C'est une expression, Cap. Je suis toi, c'est 2022? Ça? Wow. Ouais, il est très 2022, notre jeune GNT en face. GNT, c'est moderne. So, dans le fond, qu'est-ce que je voulais en venir, c'est que. Okay, c'est parce que j'ai peur de me faire ramasser dedans. C'est que la plupart du monde du porn. C'est des fucking BS, OK? Genre, je veux pas être méchant, mais tu sais, il y en a beaucoup. C'est genre du monde qui ont besoin de 600$ pour... Pour leur loyer, là. Ouais. Tu sais, c'est BS, là. C'est du monde qui vont comme... C'est du monde qui achète des sushis. C'est du monde qui achète des sushis à 19,90. Oh my God! C'est l'équivalent du bro! Qu'est-ce que j'aime de... Non. Le temps qu'à le tenir, mets-le plus loin. Davis-le, mets-le plus loin, le micro. Vas-y. Qu'est-ce que j'aime? Tant qu'à le tenir, mais là, plus loin. Ah non, mais là, il tombe plus. C'est juste parce que des fois, il faut que je l'avance. Parce qu'il faut qu'on l'entende. Vas-y, Rick. Pegas, qu'est-ce que j'aime de eux, c'est que eux, s'ils ont un prix fixe, un prix du marché, PM, prix du marché pour la fille. Mais là, la fille, mettons, elle dit, oh, non, attends. S'il te plaît. Moi, de qu'est-ce que j'ai compris, OK? Pegas, eux, ils ont un prix du marché. Mettons, là, toi, tu me dis, écoute, Rick, toi, t'es attiré par moi, Véro, elle me dit, écoute, moi, j'aimerais ça tourner avec toi, Rick, je suis prêt à baisser mon prix. Pegas, je dis, non, je veux pas baisser ton prix, je veux que tu sois payé au même montant. Parce qu'ils tiennent à leur réputation. Ils vont pas faire, ah, je veux pas ce que c'est toi, je veux te le. Non. Parce que pourquoi je suis obsédé par le capitalisme, puis là, si on va, je veux pas aller dans l'affaire de Trump puis Biden, mais pourquoi, genre, je suis un peu. Je commence à être. Le porn québécois m'a fait détester le socialisme. Moi, OK, je veux dire. Ah, mais si, c'est. Non, mais moi, je travaille. OK, moi, je vais vous le dire. Je ne suis pas gêné de le dire. Moi, je suis payé 50 000 par année, brut. Sauf moi, je donne 19%. Guys, je vous parle, s'il vous plaît. Il t'écoute. Ah, ben oui, j'écoute. OK. C'est que moi, j'ai. J'ai ça 5 ans en charge. OK. Non, mais moi, je paye, OK, 19% de mes taxes, OK. Je paye 31 000 net, OK. Puis toutes mes taxes, j'ai travaillé, j'ai eu un diplôme. Toutes mes taxes vont pour des filles qui sont sur la PCU. Qui font des vidéos TikTok, qui se gèlent la face, puis qui ramassent des chèques de la PCU pendant que moi, je paye mes taxes pour un système de... Non, c'est ça qui m'énerve. Puis des filles comme Hélène Boudreau, tu vois, c'est des purs capitalistes, lady boss, ils investissent de l'argent, ils déclarent leur revenu à Revenu Canada, puis ils avancent. Mais pas quelqu'un qui est sur BS, puis qui est sur la PCU, puis qui attend son petit 500... Ouais, qui attend son 500 $ d'ADCAD, puis que, tu sais, c'est comme... The fuck, man! C'est pas ça du porn! ADCAD, c'est trop réputé pour ça. Jamais, mettons, je continue au stage. C'est comme tous mes fans de States vont m'appeler Véronica. C'est parce que c'est dedans qu'il faut que tu parles. C'est genre... Parce que même si tu fais ça, tu parles là... Je suis plus habitué de sucer, moi. Ouais, same. Mais... t'avais l'air à avoir de quoi à rajouter, Rick? Mais moi, je vais ajouter un petit peu... Attends. C'est remarqué que c'était même plus difficile de faire du contenu avec une OnlyFans girl. Moi, j'avais tourné avec une fille qui s'appelle Mocha Lamulata. Elle est vraiment belle, vraiment hot, extrêmement professionnelle. Pendant que je devais comme coucher avec elle, je devais tourner, tenir un selfie stick, puis je devais vraiment aller selon sa vision. OK, je veux qu'on me voie de telle façon, je veux qu'on me voie de telle façon. Sauf que c'est parce que c'était moi le directeur en même temps. Je peux faire juste une démonstration comme... On va le faire comme habillé. Je suis pas gêné de le dire, exemple. Ouais. OK? Celui-là, genre, mettons, je fais comme Doggy Style, comme content creator. Genre, je vois comme montrer, genre, comme vu que c'est moi le content creator, il faut vraiment que moi je filme. OK, là, tu me dis, oh, fais-moi pas là. Fais-moi comme ça. Non, gars, je suis très sérieux, gars. OK? Puis là, après ça, OK, là, toi, tu dois tenir ton sel. Tiens ton sel. OK? Là, je suis comme ça. Puis là, OK. C'est vraiment, sans joke, c'est vraiment, vraiment comme. Beaucoup là, plus difficile. C'est quoi la question? Parce que je l'explique juste. Mais attends un peu, Rick. Je comprends pas quelque chose. Là. Qui tient la caméra dans l'histoire? C'est elle qui tient la caméra? Jamais, Véro, c'est ce que j'essaie de dire. Une OnlyFan girl. OK, une OnlyFan girl. OK, mais c'est pas... Là, c'est toi qui la tiens. Mais toi, je te donne un exemple, OK? Viens deux secondes. OK. Moi, j'ai travaillé avec Mocha Lamulata, puis elle me disait, OK, tiens-moi comme ça, tiens la caméra comme ça. Non. OK, comme Doggy Style. Fait que là, tiens-moi comme ça. OK, fait que là, tout est de même. Puis là, moi, je regarde. Ça, c'est du POV, là. C'est du POV. Tu fais du POV. Après ça,
I got you, my brother! Mais non, mais tu pourras. Non, mais j'essaie d'être sérieux, guys. Non, mais honnêtement. Mais non, mais c'est pas assez tough être super sérieux là-dessus, Rick, là. T'as vraiment. T'as fou rendu devant moi. J'essaie d'être sérieux, Rick. Je fais tout ce que je peux, là. Je veux mon minimum de gloire. Ah non, sors pas ta graine, là. On filme pour YouTube. Guys, okay, excuse.